Moi, mon métier, c'est ingénieur, c'est pas de faire aide au pilotage et de la gestion budgétaire, même si je sais la faire. Hein. Bon, moi, je suis un être humain, quoi. En face, on a des gens qui ont des enfants. Moi, je viens de la CEDIC UNEDIC, donc on a la notion de social. Donc, on est là pour aider les gens, quoi. Et ceux de l'ex-ANPE, ils ont la notion de service. C'est-à-dire, ils sont là dans l'intérêt général, quoi. Et on se retrouve avec des gens qui soient ex-ANPE ou ex-UNEDIC qui ont les mêmes comportements, quoi. Parce qu'on voit bien que c'est l'intérêt général qui est bafoué, quoi. Alors là, maintenant, j'y vais à titre individuel. Mais derrière moi, c'est toute la CGT locale, quand même, qui on s'est investi avec une partie de FO. Donc là, moi, je témoigne parce qu'à un moment, on n'y arrive pas par les structures. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est comme les chiffres des demandeurs d'emploi. C'est moi qui les ai remontés. Qui les a remontés. Bon, maintenant, après, des fois, on a une vie. Il faut savoir. Enfin, c'est la deuxième émission. Là, je vais empiéter sur la deuxième émission. Mais bon, disons que ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très fort en justice. On a gagné avec un CHSCT, alors que la CFDT et notre compromis local, on va le dire comme ça, avaient tout fait pour nous empêcher d'y arriver. Quoi. Et donc, c'est grâce au fait qu'on soit passé en justice. Parce que le problème, c'est qu'il fallait qu'on explique que les conditions de travail, elles n'étaient pas bonnes parce que c'était pour des mafias économiques. Quoi. Et donc, ils nous tuaient nos métiers, pas du tout dans l'intérêt de l'emboîte, hein, mais par rapport au fait que c'était des intérêts privés. Quoi. Et donc, on a sorti ce fameux document que je vous ai mis là, sur le SIGREF, le rapport du SIGREF. On a tout expliqué parce que c'est des documents techniques devant la juge, etc., avec d'autres documents sur des appels d'offres, sur des choses comme ça que là je peux pas vous donner parce que là on rentre dans le secret des affaires des entreprises puisque c'est des marchés, alors que là c'est pas des marchés, c'est des publications publiques, c'est le document est public, quoi. Et on a montré que c'était organisé, quoi. Et donc, on a gagné. La direction, elle a commencé à voir qu'on était bon. Et je leur avais expliqué que par rapport à la démarche de la formation, ils avaient des choses à faire parce qu'à la CGT, quand on forme les gens, on en fait souvent des gens compétents. Quand j'avais été à OCE, il avait bien compris, directeur financier, que moi, je comprenais tout ce qu'il présentait, même ce qu'il avait voulu nous donner, mais que les autres, ils gobaient les mouches, quoi. Donc, je m'étais fait bien voir. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui, quand je suis dans les instances, où je vais les embêter d'une manière très bourrin, quoi, on va dire comme ça. Donc, j'ai des questions pertinentes, j'écoute. On est dans la négociation parce que nous, on n'est pas là pour les cartonner, quoi. On est là dans l'intérêt des salariés, on joue notre rôle de contre-pouvoir, quoi. Et les gens n'ont toujours pas compris que les syndicats ne sont pas puissants, les syndicats de salariés ne sont pas puissants dans les boîtes, c'est une connerie, ça. C'est juste qu'on fait respecter la loi, quoi. Et c'est plutôt, si on arrive à cartonner les employeurs, c'est parce qu'ils ne respectent pas la loi. Et donc, même dans les institutions d'État, nous, le seul truc sur lequel on est puissant, c'est quand ils sont mafieux. On peut les attaquer en justice, on peut les faire trembler, on peut si on peut ça, quoi. Après, en 2015, quand on a été débouté en cassation, là, il est venu me voir dans les couloirs suite à un comité d'établissement en deux fois. La première fois, il voulait savoir si on avait une taupe à Bercy. Donc, je lui ai pas menti. On a vraiment trouvé tout par l'analyse, par la compréhension. Puis bon, il faut bien comprendre ceux qui se rendent. Enfin, ils le savent très bien, les directions. Qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont des subalternes à eux, qui ne supportent plus d'être malhonnêtes. Après, il faut bien comprendre qu'il y a une technocratie, alors ce qu'on appelle la bureaucratie en termes réels, quoi. C'est-à-dire que dans les boîtes, il y a toujours des gens qui vont progresser par rapport à leur professionnalisme, mais ils s'arrêtent vite. Et tous les autres, c'est les carriéristes. Donc, ils sont capables de se vendre, de se prostituer pour y arriver, quoi. Donc, ils sont capables de tout faire. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des syndicats, des vrais syndicats, de contrôle, puissant, revendicatif, et pas du tout d'accompagnement, parce que plus on accompagne, plus ça permet la mafia, quoi. Et quand vous voyez les scandales dans la télé, vous n'avez qu'à regarder les lanceurs d'alerte, c'est des informaticiens comme moi, parce que nous, on voit tout. Quand on fait le métier d'informatique, on voit tout. Hein. Et on comprend tout avec le temps. Et les comptables, qui, eux, sont carrément directement dedans et voient les choses. Avec les juristes, j'oublie aussi. Et à un moment, on s'est rendu compte que, parce que nous, on pensait qu'il y avait des rapports de force en face, c'est-à-dire qu'il y avait la social-démocratie qui s'opposait aux libéraux, standards, on va le dire comme ça, avec l'extrême droite. On pensait qu'ils étaient au moins ennemis, quoi.
Et au fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était bien plus une convergence du capitalisme que ce qu'on le pensait. Il commence d'abord par nous enlever l'activité en nous faisant faire de plus en plus d'administratifs. Il nous enlève ce qu'on appelle les missions, soit il les sous-traite, comme moi ils ont fait, moi ils ont sous-traité quoi. Petit à petit, ils ont tout sous-traité, à la fin, j'avais plus d'activité. Donc j'ai commencé à gueuler un peu, parce que quand même j'avais un super salaire, à être payé, à rien foutre quoi. Donc à ce moment-là, ils m'ont mis sur une activité bateau, qu'on appelle, c'est-à-dire ils m'ont mis sur un projet qui n'était pas officiel pendant 3 ans. Je suis resté 3 ans à faire du développement, etc. Et puis la personne qui m'avait mis ça, elle est partie à la retraite, plus un chat. Donc là, j'ai commencé à dire, attendez, c'est bien joli, vous m'avez mis là. En plus, ils avaient négocié, j'ai même les écrits, hein, comme quoi ils allaient me replacer dans ci, dans ça, ils ne respectent rien. Ils font comme les politiques de maintenant, ils vous disent qu'ils font blanc et ils font noir derrière. Et même les écrits, ils n'ont pas peur, parce qu'ils ont bien vu qu'en 2015, quand ils ont réussi à étouffer l'affaire, parce qu'on peut le dire comme ça, ils sont puissants. Donc plus ils se sentent puissants, plus on est maltraité, quoi. Et ce que moi j'ai appris, parce que je suis passé par le CHSCT quand même, c'est contrairement à ce qu'on croit, ceux qui se suicident, ce n'est pas ceux qui sont harcelés, c'est très rare. Ceux qui se suicident, c'est ceux qui le vivent en tant que témoins. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que des suicides professionnels, on en a comme à France Télécom, hein, faut pas croire, mais avec un bon syndicat qui étouffe bien les choses, qui vous explique que c'est toujours des problèmes personnels de chez eux, même moi perso, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, mes problèmes de lanceur d'alerte commencent à prendre la tête à ma femme et mes enfants, quoi. Parce que tout simplement, je ramène que des choses négatives. Parce que au boulot, on ne peut pas trop montrer de l'entrain, parce que ça peut être retourné contre vous pour vous faire pression. On se méfie de tout, parce qu'on sait très bien qu'ils vont utiliser le moindre truc pour essayer de me descendre. Alors moi, je suis assez stratégique et puis je ne m'en sors pas trop mal, quoi. Puis je ne suis pas tout seul, hein. On estime qu'on est à peu près 100 personnes à être sur 1300. On a alors actuellement, ils ont réussi à passer 60% en externalisation et 40% en interne. C'est pour ça qu'on a des gros dysfonctionnements, je vous le dis honnêtement. Alors, ils ne vont pas vous dire, hein, oh, mais non, mais c'est, oh, on est bon, agilité, ici et là. Les sondages, ils les truquent facilement en posant les bonnes questions pour que ça réponde positivement. Et nous, on a bien des retours des utilisateurs comme quoi c'est une catastrophe et qu'ils n'arrivent pas à utiliser les logiciels, c'est pas convivial, c'est fait pour les spécialistes, etc. Mais ça, vous l'entendrez jamais. Les gens qui se suicident, donc moi, c'est ça que j'aime bien parler, c'est que je me suis rendu compte, c'était les témoins. Et des choses comme ça, je peux vous en raconter entre du harcèlement que j'ai même vécu moi à titre, me le demander à titre personnel. Nous, on a la chance, c'est-à-dire que comme on a gagné en justice, tout ça, ils évitent. Parce que si moi, il m'attaque personnellement, je veux injustice, je gagne. Mais je ne changerai pas les choses. Bon, on en a parlé avec... je suis à l'union locale de Montpellier. Quoi. On en a parlé avec les juristes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est notre impuissance. Parce que c'est bien joli de sauver sa pomme. Mais pour l'instant, je sauve ma pomme, je ne sauve pas la pomme de mes enfants, moi. Parce que c'est la société de demain qu'on va avoir, le modèle américain, où on voit où on en est, quoi. Soi-disant l'élite, etc. et tout, quoi. Moi, je vois bien aussi, parce que j'ai des enfants qui sont en âge de l'adolescence, qu'ils ont détruit l'éducation nationale. Tout le monde a compris avec le coronavirus qu'ils ont détruit la santé. La protection sociale, c'est quasiment plié, quoi, on va dire. Au prochain septennat, c'est bon, les retraites, vous pouvez vous asseoir dessus. Moi, je peux vous le dire. Et le but, c'est de nous faire payer dans des régimes privés où eux se servent, puis nous, on pleure pour se faire indemniser, comme ça se passe quand on a un accident de voiture.